Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais participer moi-même, puisque j'ai participé à ce combat. Monsieur le Président, avant de commencer mes propos, je voudrais me référer à un politologue américain d'origine japonaise, Francis Fukuyama, dans son analyse du champ des civilisations. À la question de savoir qui on est, Francis Fukuyama répond, pour savoir qui on est, il faut d'abord savoir qui on n'est pas, et ensuite savoir contre qui on est. De même, notre compatriote Robert Doucet, dans son livre « L'Afrique malade » de ses parlements avec l'Afrique, de se perdre dans les détails de sa culture et à coup sûr se tromper du développement. Monsieur le Président, là, je suis à la question 10 et réponse 10. Selon la réponse du ministre, l'objectif du gouvernement, c'est l'approbation du processus par toute la population, et je voudrais lui dire que cette loi n'est pas approuvée par la population et je voudrais apporter la preuve. Avant d'arriver ici, j'ai consulté mes parents, Pedro et Tchaoudjo, nos cousins Moba de Gabon, nos frères Bassar, avec qui une partie des jeunes partagent Karana, les frères Chamba et Kamwale avec qui nous partageons notre culture. Ils m'ont dit aussi, dans notre culture, seuls les prisonniers sont identifiés par des chiffres. Les hommes libres ne sont pas identifiés par les chiffres, mais par des mandats. Et qu'en aucun cas, ils n'accepteront pas une loi scélérate qui va non seulement conduire à faire disparaître leur histoire, mais les identifier comme s'ils étaient des esclaves. Monsieur le Président, je voudrais dire au ministre que cette loi ne sera pas approuvée par le peuple dont je suis le bénéfice ici. Merci, monsieur le Président. Sur le temps de répondre. Ok ? Bien. Je passe à monsieur. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.